Hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue et on retrouve notre belle Ayoa qui roupille, mais qui est content quand même, hein, dans son sommeil il est content. Donc nous sommes vendredi, il est 9h du matin, je vais le laisser dormir tranquillement un petit peu. De toute façon pour l'instant le temple, je viens de vérifier, eh bien n'est pas encore disponible. Alors ça c'est le temple, hein. Il est ici. Voilà, c'est pas encore dispo. Donc, bah, on va pouvoir aller ailleurs, aller au bar et compagnie, parce qu'en plus son social commence à tomber, donc pourquoi pas. Mais avant ça, un petit peu de Sim Rumba, évidemment, pour faire plaisir à toutes les demoiselles qui suivent ce let's play. Ou peut-être à certains messieurs, pourquoi pas. Ah bah, ça commence à le saouler. Bon, il casse les pieds, lui, hein. Oh là! Ah oh oui, c'est beau ça. Oh. Alors, mais arrête, Ayowa, tu vas réveiller des envies coquines à certains viewers, hein. Voyons, voyons. Et nous voilà au bar pour discutailler un petit peu. Tu vas te présenter à elle et à lui parce que t'es comme ça, t'es sympathique, amicale. Voilà, Selvadoradien, Selvadoradienne. Je suis Ayowa, je suis beau, ça se voit. Et Chichi, voilà. Alors, au niveau du challenge aussi, on doit avoir commandé et goûté toutes les recettes. Sauf qu'en vrai, je ne sais pas si à un moment donné, on sait qu'on a mangé et goûté toutes les recettes. Donc là, il a recommandé un truc. C'est pas ça pour, c'est pas pour moi. Mais voilà, on verra bien. On verra bien. Regardez-moi ce petit bout de chou qui dort sur la table. Oh mon dieu, moi je vois ça, je fais des papouilles, mais moi je suis une amoureuse des chats, donc c'est un peu intenable hein, dans la vie. Bonjour petit mignon, comment tu vas petit pixelou? Regarde, on n'a pas fini l'assiette pour que tu puisses manger. Hein? Tu veux aller manger mon assiette? Parce qu'il a faim le pauvre chou. Tiens, on te laisse ça. Nous on va retourner vaquer à nos occupations. Ah c'est bien ça, j'avais pas vu quand il fait preuve de respect auprès de sa statue, on a une petite moodlet après. Inspiration de Madre Cosecha. Oui, je pense que c'est ça. Cette statue respire la confiance en soi. Si Madre Cosecha a réussi à fonder et développer Selvadorada, Ayowa peut gérer tous les obstacles que cette jungle lui enverra. Ben ça, on le sait. On est de retour. Oh là là! La location, elle a revêtu ses superbes habits de la fête de l'amour, là, mais on s'en fout, nous, avec Ayo, on n'est pas amoureux. On s'en carre le coquillard et on va reprendre le chemin de la petite jungle. Bon, bah, de toute façon, pour l'instant, elle n'a pas de vélo, je pense que ce sera pour le prochain voyage. En attendant, eh ben, il va devoir courir un petit peu. Et dire que la nuit tombe déjà. Bah, ça s'apparente à... On va visiter la jungle de nuit, encore une fois, hein. La porte du temple n'est pas ouverte, qu'à cela ne tienne. Il y en a d'autres à ouvrir, donc c'est parti, Ayowa. Coupe-moi ça, Ayowa! Fais-moi rêver! Et c'est parti! Surveillance attentive, nous sommes encore avec l'œuf mystérieux. Voilà, on va faire l'archéologie. De toute façon, on est à fond l'archéologie, on est à niveau 10, donc... Ayowa suspecte cette œuvre d'être une créature légendaire décrite dans de nombreux contes folkloriques. Le scientifique étant lui décide le mieux à faire est d'attendre pour observer la naissance. Au bout d'un moment, un gros craquement se fait entendre et une créature sort de l'œuf. Ayowa met la gentille et adorable créature en sécurité dans une grotte. Elle s'assit lui offre la bénédiction pour le remercier. Oui, on retourne au bain omnichkin. Ah tiens, nous avons une demoiselle qui... Ok, bah écoute, tu peux aller faire des longueurs pendant que moi, j'ausculte. Ah, c'est ouvert. Oh, c'est ouvert ici. On peut y accéder. Et eh ben c'est cool, il va pouvoir y aller. J'avoue que je ne sais jamais trop ce qu'il y a, mais c'est pas grave. Il va faire un petit peu de longueur. Il se rafraîchit, un peu comme nous en ce moment. À prendre une douche à la moindre occasion pour se rafraîchir. Hein, et puis après, bah, il ira... transpercer le mystère. Oh, attention, Ayowa, il y a des bordures. Bon, bah, ce qu'on peut dire, c'est que ça lui a fait du bien. Un petit peu frais quand même, mais ça fait du bien. Et on coupe cette petite lienne sauvage pour découvrir des trésors derrière bien sauvage. Et c'est parti!
Et soudain des paresseux. Bon, pareil, ça on l'a déjà eu. En ce qu'on distrait les mouches en dansant, une compétence culture sévadoradienne, eh bien on a 5 sur 5. Où on vaporise les mouches. Bah écoutez, on va vaporiser les mouches. On va bien voir ce que ça donne. Alors, Iowa se souvient qu'il emportait un pulvérisateur et le sort. Après quelques vaporisations sur les lucioles, celles-ci se dispersent et laissent les paresseux tranquilles. Iowa se débarrasse du pulvérisateur désormais vide et remarque que les paresseux ont laissé quelques cristaux pour lui. Trop cool! Et alors, c'est quoi ici? Ah, oh, c'est joli. Je me souviens pas si je suis déjà venue. Oh, il y a un trésor! Oh bah attends, si mec, s'il y a un trésor, ça vaut tout le bonheur du monde là. Viens-moi ouvrir-moi ce petit trésor là. Une petite assiette, une petite grenouille en or, moi je prends tout. Ah, qu'il est beau quand il ouvre. Un trésor lumineux! Ouais! Ah, vas-y, fais-moi rêver. Mince, j'ai tout ouvert moi. Attendez. Ayo a trouvé de merveilleux objets dans le coffre au trésor, il a pris un objet ancien, du matériel d'aventure, une relique mystique. Oh super. Et un Pereressa en or orné de pierres précieuses. Mais c'est super, Ayouat. Tu es le best. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Et des choses peut-être à creuser, des trucs? C'est super mignon. Je me souviens pas avoir été là déjà. Ou alors une fois peut-être. Il y a des c'est des plantes. Et ici, il n'y a rien à faire? Viens là, il y a peut-être des trucs. Bon, là, il y a des trucs à récolter, mais on en a déjà. Bah écoutez, c'est mignon tout plein, mais il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est un peu dommage. Mais il y a un trésor, si ça te fait. Ah, t'es beau comme ça, regarde. Ah, oh, il respire la confiance, ce mec. De retour dans les portes où il y a le temple, c'est toujours pas dispo, donc bon, écoute, on va ouvrir les autres portes, hein, c'est ce qu'on voulait faire. Et je regarde normalement la porte qu'il y a au fond. Ici, elle est bien fermée, on n'y aura pas accès. C'est dommage, par contre, il y aura un petit truc à creuser après ici, même deux. Et c'est encore une porte que l'on franchit avec succès. C'est encore l'histoire de l'œuf. Bon, eh ben écoutez, on va utiliser la fleur parce qu'on n'a pas une physiologie de ouf. Et on a une fleur. Œuf extraterrestre, Iowa touche doucement l'œuf avec la fleur. À sa grande surprise, l'œuf commence à se fissurer. Et oh, je suis à l'intérieur. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mocheté? Et puis il le casse et il le jette dans la poubelle. Non, c'est pas vrai. Et un minuscule extraterrestre en sort, quoique. C'est peut-être moi au final. Et commence à grignoter la fleur. L'extraterrestre est si gentil qu'Iowa décide de l'adopter. Oh là! Mais pourquoi tu te fais cramer les fesses? C'est un dragon ou quoi? J'adore sa tête quand il y a le feu. Et à chaque fois, regardez-moi comme il est craquant. Oh là là, mais non, mais voilà. Tiens, tu vas devoir. Qu'est-ce que. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais en fait, non. On est où ici? Ah, il y a encore un trésor, c'est trop bien. Tu vas pouvoir m'ouvrir ce trésor, tu vas pouvoir creuser ça. Il y a de la pêche à faire, et puis tu as besoin d'aller faire un petit pipi. Ah, mais il y a plein de trucs à creuser en fait. Ah, il faudrait que j'aille voir ce qu'on a récolté, parce que si on a récolté des trucs intéressants. Mais non! Mais pourquoi tu restes là aussi si tu veux pas te faire cramer la tête? Naner. Allez hop. Waouh, une pérérica raillée, oui, en quartz et en or, et des simflouzes, du matériel et d'une relique mystique. J'allais dire une reluque mystique, mais non, c'est pas ça. On a donc chopé une baleine rose vivante. Eh ben, elle ira avec notre ami qui est aux mille yeux, là, je ne globi globu, je sais plus comment il s'appelle. Alors, un vase à authentifier. On a une base de reliques du chaos. Mais c'est bien, on a les trois bases de reliques. On a reçu une base de Zazatotot, là encore. Ok. Et puis des mousses anti-feu. Ça peut être très utile, j'avoue. Et il nous trouve des petits morceaux de calcaire. Si on pouvait avoir le tout dernier truc, ce serait géant. Tu vas extraire un fossile. Tu vas extraire un fossile. Un fossile cassé et un crâne extraterrestre. Super. Et. Alors, et les autres, on en a 9 pendant que je l'envoie un peu pêcher. On va tout ouvrir, on s'en fiche. Lui, il est ambidextre, enfin, il sait tout faire, même avec les deux mains occupées, il ouvre avec ses fesses peut-être. Alors, une pierre préhistorique, mâchoire de crocodile, crâne d'extraterrestre, griffe de rapace, crâne d'extraterrestre, monstre marin fossilisé, simien fossilisé, bidule fossilisé, crâne d'extraterrestre, simien fossilisé. Et niveau 3 de pêche. Bon, ben, j'ai pas l'impression qu'on a trouvé le tout dernier.
Non, effectivement, il nous manque toujours un fossile commun en plus, c'est ça qui est le pire de Salvadorada. Bon, bah écoutez, le temple est dispo, donc tu vas arrêter de pêcher, voilà, t'as chopé, il a encore un cristal, et puis après on va aller au temple, quoi, parce que maintenant il est disponible. Oh non, et ça abeille de mes fesses là, il allait ouvrir là, il allait sortir ses machettes, ne bouge pas mon chou. Tu vas voir. Voilà, elles s'en vont. Moi, je suis incapable de rester stoïque et de pas bouger devant les abeilles ou les guêpes. J'ai tellement horreur de ça que je me barre et je crie. Oh, bichon, il a perdu sa petite machette. C'est pas grave, t'en as une autre dans le caleçon. Rencontre avec un cabiai. Alors, nous avons. Est-ce que nous avons du charisme? On va essayer d'avoir du charisme. Cabiai heureux! Eh ben si, cabiai heureux, Ayowa heureux aussi, hein. Ayowa s'assoit avec les cabiais un long moment jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne représentent pas une menace. Ayowa s'approche doucement du cabiai blessé sans lui faire peur. Après avoir lavé le cabiai dans l'eau, il l'examine pour voir si tout va bien. Il ne semble pas blessé, juste un peu effrayé. Alors que le cabiai s'éloigne en nageant, Ayowa remarque quelque chose de brillant dans l'eau et récupère une récompense! Oh oui, nous allons au temple. Et c'est dans les toutes premières lueurs du matin que nous arrivons au nouveau temple. Alors, qu'est-ce que tu vas récolter, mon coco? Parce que bon, là, on va savoir, hein, peut-être. Je ne vois rien. Après, ça peut être tellement de choses qu'on a déjà en double, en triple, en quadruple, que moi, je ne sais plus. Ah oh ouais, non, mais toutes les grenouilles et tout, on a tout en double. C'est infernal, quoi, le bordel. Bon, c'est bien aussi, hein, c'est sympa. A priori, c'est un temple qu'on a déjà fait. Je me souviens des bouquins qu'il avait embarqués, là, qui cassaient les pieds. Faut que je le surveille, sinon il va reprendre le bouquin. Alors, pour celui-là, c'est hypothétiquement assembler les glyphes-feuilles, donc on va continuer. Ah, et celui-là, il a découvert, c'est les glyphes soleil. Ben, tu vas pouvoir m'aligner ça. Je sais plus parler. Là, c'est toujours. Moi, j'aime toujours les animations et tout, les trucs. Ouais, moi, je kiffe, moi. J'aime la jungle, c'est comme ça. J'aime la jungle, j'aime Iowa. Allez, mon Konko, tu peux venir ici et. Ah, oui, c'est vrai, je m'étais posé la question de savoir s'il n'y avait pas un aventurier qui était. Tu étais déjà venu ici en laissant toutes ces affaires. Donc ici, tu vas examiner ça, examiner ça, examiner ça. Voilà, c'est pas mal déjà. Bon, premier truc, il n'y a rien qui déclenche. Ok, bon, on passe à la suite. Pour celui-là, eh bien, il n'y en a aucun non plus. Donc, toutes les... Non, non, ça doit être celui-là. Sinon, je sais pas comment on fait, hein. Ça y est, il l'a trouvé, mais il commence à se fatiguer. Tu vas me prendre une petite... boisson là pour te remonter l'énergie. Voilà, parce que bon, il est un peu 8h30 du matin. Donc voilà, donc c'est le glyphe-feuille. C'est marrant, ça fait orange-rouge. Bon. Alors ici, tu vas examiner ça et examiner Nom-Nom. Et puis, j'aime bien là, la mise en place du truc, c'est assez sympa. Avec lui, le gardien, là, il y avait sûrement quelque chose de sympathique avant, qu'il n'y a plus. Ah, il a découvert? Oh bah viens là, au lieu de... Voilà, t'as découvert le premier tout de suite, ça sert à rien de faire le deuxième, hein. Ils ont perdu du temps quand même, hein. Du temps c'est de l'argent, hein. Surtout chez nous. Voilà, alors, nouvelle pièce d'ouverte. Ah, on est de retour avec les espèces de sarcophages un peu, je trouve. Ah bah oui, sarcophage avec les os d'un pauvre... expédient, je sais plus parler. Bah, bref, un mec est venu avant quoi. Et donc en plus pour cette pièce-là, elle est énorme, elle est très très longue et il n'y a qu'un seul truc à examiner. Donc si on trouve pas, voilà. Oh, et c'est après c'est je pense sa dernière pièce. Il a découvert que certains n'ouvrent et ne s'ouvrent pas. Ah si, ça va. Tu vas pour... Bah, il n'y a qu'une seule solution en fait, hein. C'est qu'un seul peut-être, c'est forcément un oui, hein. Sinon. Oh bah tout s'est bien passé là pour ce temple. Quel bonheur. Allez, tu peux m'ouvrir ça, tu peux m'ouvrir ça. Et puis bah on a fini le temple du jour quoi, j'ai envie de dire. C'est formidable, hein. C'est trop facile la vie. Allez, ouvre-moi ça. Oui, exploration du temple terminée. Et qu'est-ce que tu nous as trouvé? Une base de reliques de l'observateur, une assiette calendrier omnisken et un pér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 
Regardez-moi ça, cette bouille. Ah là 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 là, je vous jure. Alors, on va aller voir ce qu'il a retrouvé. Oh, une nouvelle grenouille, effectivement, qui est rare. En crâne, en diamant et en or. Pour l'assiette, quelle est la... Voilà, on verra. On en a deux fois la même. C'est pas grave, on va pas se plaindre. Je vous dis, c'est de l'argent. On a de l'argent, mais c'est pire que de l'argent. C'est... Je sais pas quoi dans les poches, mais... Zadatotot. Ah, yes! Une relique du chaos en or, quand même, parce que ça, on en a besoin. Enfin, je veux dire de Palampalso, parce que les autres, on a reçu des fleurs de Guzmania, et ça, c'est bien. On a reçu de la bouffe pour les chauves-souris. Ça, c'est cool aussi. Et puis c'est pas mal. Bah, écoute, on va pouvoir rentrer. Tu vas pouvoir être reposé, mon beau. Et ben voilà, on y est déjà. Tu vas aller te décrasser vite fait. Ton torse puissant et luisant et musclé. Et tu vas aller plutôt me ouais, aller une petite bonne grosse sieste que j'appellerai dormir pour que tu puisses te reposer un peu. Voilà, il est propre comme un sou neuf et il va se faire une bonne grosse siestasse. Et moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode un peu pareil, encore une fois. On va vite, mais ça devient la routine des temples et tout ça. Et puis, ben, on est samedi, on a encore dimanche et lundi matin pour continuer à explorer la jungle, explorer les trésors et peut-être aussi refaire un temple. En attendant, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du richissime archéologue. Des gros bisous. N'oubliez pas que pour me soutenir, il suffit de liker, commenter et partager ma chaîne. Ciao!